Bonjour à toutes et à tous. Me voici, me revoilà aujourd'hui pour faire notre 17e petit cercueil de notre calendrier d'Halloween. C'est parti! Pour ce 17e petit cercueil, j'ai décidé de prendre un fond noir. Je veux y mettre un peu de paillettes comme ça, mais gris métallisé, ça va pas sortir sur mon noir. Je vais essayer avec un Posca de d'abord mettre du blanc dessus tout autour et après du gris, on verra ce que ça donne. Quelques petits stickers et puis à la fin, on mettra peut-être aussi quelques petits, sûrement quelques petits strass aussi transparents ou argentés, quelque chose comme ça. Donc, on va déjà essayer ce que ça donne en mettant, voilà, avec un Posca, en faisant déjà voir ce que ça donne. Je ne sais pas. Bien alors, j'ai une autre idée. Attendez, bougez pas. Je crois que c'était ça. J'ai pas un papier noir pour faire un essai, mais je crois que c'est ça. Une petite violette qui, ouais, qui ressort un peu. Ça fait aussi un peu gris métallisé. Même que c'est violet. Enfin, c'est un peu violet, mais ça va dans les couleurs. Donc, je vais déjà faire mon fond avec ça et on y rajoutera les paillettes grises avec le stylo ensuite. Alors, je vais quand même faire un bon tour que ça sorte bien. Voilà. Je l'ai fait déjà comme ça. C'est du violet, mais vous voyez, ça ressort presque un peu gris sur le fond noir. Et on va voir en y rajoutant un petit peu de paillettes ce que ça donne. Donc, je fais le tour. Ouais. Ça fait super joli. J'aime bien. Malheureusement, à la caméra, vous n'allez pas bien voir. Mais ça me fait juste un petit tour tout autour. Tout pailleté. Ça ressort vraiment joli. Donc, voilà pour le fond. Maintenant, j'ai un petit, une petite bannière comme ça qu'on va venir mettre en haut. Voilà, je vais venir essayer de me centrer le mieux possible. Voilà, de la mettre ici en haut. Comme je veux qu'elle reste en bannière, je ne veux pas la couper. Je vais venir y mettre un petit peu de poudre à maquillage pour enlever
l'effet collant. Voilà. Voilà, comme ça, ça colle plus. C'est parfait. Voilà, maintenant j'ai une petite dame, une petite sorcière, une petite mademoiselle la sorcière avec une citrouille que je vais venir mettre en bas. Voilà, je vais venir la mettre comme ceci. Là, par contre, je vais découper ce qui dépasse. Voilà. De chaque côté. Voilà. Ensuite, j'ai une petite chauve-souris dans un petit rond que je vais venir mettre sur le côté. Ici, voilà, et puis le mobou avec une toile d'araignée tout en noir aussi. Si j'utilise le même doigt où j'ai encore de la poudre dessus, ça va plus coller. Et je vais venir mettre comme ceci le mobou. Voilà. Et on va venir mettre donc des petits strass. Je vais venir mettre des strass comme ceci. Alors, je vais prendre déjà les moyens et je vais mettre ici une rangée comme ça de mes strass. J'ai choisi les moyens. Voilà. Après, je vais en mettre un plus gros par ici. Et puis, je vais en mettre un petit ici. Un autre petit par ici. Et voilà. Ah, j'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne donc pour ce 17e petit cercueil. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à demain pour le 18e. Bye bye.